Bien, yo tout le monde, c'est Petit Floc. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Euro Truck pour une petite partie. Allez, c'est parti! Donc voilà, re tout le monde, donc après cette petite intro, eh ben nous partons pour l'épisode 1 de Euro Truck. Donc oula, excusez-moi, ça c'est mon ordi. Donc là, on a attelé une belle remorque avec beaucoup de bois. Donc on se retrouve avec mon Volvo, mon propre Volvo. C'est pas un qui vient d'une entreprise. Donc c'est un Globetrotter, comme vous le voyez, avec j'ai rajouté des gyrophares, des lumières, des klaxons, enfin pas mal de trucs, et voilà, donc c'est cool. Par contre, j'aime bien quand on coupe ça, ça fait un peu plus réaliste. Alors, ok, on va prendre le bateau de toute façon. Donc, j'avais quelques trucs à vous dire, genre que... déjà dans ces épisodes, donc je pense j'en ferai plus de 10, enfin j'espère en faire plus de 10, et qu'à chaque épisode je mettrai des parties musicales, parce que des fois il y en a qui trouvent des choses intéressantes à dire. Je sais vraiment pas comment ils font, parce que moi j'ai vraiment rien du tout à dire. Alors moi je mettrai des parties musicales, donc ça laissera passer le temps, et peut-être quelquefois des accélérés, ce qui serait cool. Donc aussi, je n'ai pas fait de vidéo pendant les vacances. Donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant les vacances? Et bien parce que tout simplement je n'aime pas faire de vidéo pendant les vacances, et je suis resté que 2-3 semaines chez moi. Mince. Je suis resté que 2-3 semaines chez moi, donc j'ai pas pu faire grand chose. Enfin, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, et puis quand je suis chez moi, c'est pour aller à la plage, pour voir des copains, donc j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Après, c'était la rentrée, donc fallait tout préparer, les papiers, et donc là, c'est bon, je peux enfin reprendre les vidéos normalement. Donc, je vais tenter d'en sortir plus. Alors, c'est par là, non, c'est pas par là. Je vais tenter d'en sortir plus que j'en sortais l'année dernière. Et puis aussi, il y a un truc qui s'approche où j'ai vraiment hâte. Donc c'est le 2 décembre, là on est combien? Le 16-17 novembre. Donc le 2 décembre, j'ai ma GoPro. Donc vous pourrez enfin faire des vidéos de GoPro. Donc j'ai choisi ma GoPro. Ça sera une Hero 3 plus Silver. Donc c'est un choix. Ou sinon, j'aurais pu prendre la Hero 4 Silver. J'hésitais entre les deux, mais j'ai plutôt voulu prendre la Hero 3 plus Silver pour me prendre plus d'attaches après. Enfin, plus de fixation. Donc après, c'est un choix, hein, mais voilà. Donc je sais que la Hero 4 est mieux que la Hero 3 plus Silver. Il y a plein de monde qui me le disent. Mais moi, je préférais prendre la Hero 3 plus Silver. Voilà. Donc là, on est parti pour un Dover Colm. Donc là, c'est bon, on sort de l'Angleterre. On va prendre le tunnel sous la Manche. Alors par contre, je vais pas me faire piéger ici. Oh putain, c'est toujours les embouteillages. Bien sûr, je peux passer. Allez. Bon, de toute façon, on arrive. Hop là. J'espère que vous aussi, vous avez passé des bonnes vacances. Et on est reparti pour 2 semaines de vacances, donc c'est bien, c'est même très bien. C'est vrai que quand tu sors de vacances... le premier trimestre, c'est toujours un peu chaud quand tu sors de vraiment bonnes vacances. De bonnes vacances. Hop là. Nous, on tourne ici. Ça touche pas. Ok, c'est cool. Allez, on est parti. Alors, où je dois y aller? Ok, c'est ouvert ici. Là par contre, ça va être chaud, j'ai une assez grosse remorque. Oh, c'est bon, ça passe. Hop là.
Allez, on va se garer ici. Tac, donc on va prendre, on a que un endroit pour embarquer et ça va nous coûter 300 €. C'est pour ma pomme, hein. Mais bon, ça va, j'ai pas mal de sous. Ça peut passer. J'ai combien? Je crois que j'ai 7 employés, j'ai 8 camions, donc c'est bon, ça va. Donc là on est reparti et on est en France, on est à Calais. On retrouve la France parce que là j'ai passé assez longtemps en Angleterre. Donc je m'amusais un peu sur Euro Truck sans faire de vidéo. Mais là du coup j'ai voulu faire une vidéo et puis je tentais de vous faire un assez bon montage. Parce que j'ai pas trop le temps non plus pendant les vacances, parce que je vais vous parler un peu d'un projet, parce que je vous l'ai pas dit, mais moi je veux devenir agriculteur. Et donc là en plus il y a l'ensilage de maïs grain, enfin l'ensilage de maïs grain c'est un peu plus tard, mais il y a le maïs là du coup ça va m'empêcher un peu de faire des vidéos. Mais c'est pas pour ça que j'en ferai plus, hein. Vous inquiétez pas. Donc, si j'arrive à faire une vidéo par semaine, ça serait cool. Ça serait assez cool. Mais bon, là, pendant ces vacances, je vais vous tenter d'en faire le plus possible. Mais ça va être un peu chaud parce que déjà, je pars 4 jours en stage pendant les vacances. Alors, ça va être chaud, mais j'essaierai. Alors, on est parti, donc aussi un autre truc. Donc, bien sûr, il y aura des vidéos d'ensilage pour ceux qui aiment bien, tout ce qui est l'agriculture. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des vidéos d'ensilage. Et je vous parlais d'un autre projet aussi que je vais faire avec un copain. Donc, je vais avoir Farming Simulator 2015. Hein. Enfin, je l'ai eu, mais j'ai eu un petit problème avec le multijoueur. Ok là, merde, putain c'est cher ici, hein. Ok, ça passe. Donc j'ai un petit problème avec le multijoueur, donc mais là on est parti, donc avec un copain je vais on serait parti pour faire des épisodes sur Farming Simulator 2015. On en prévoit beaucoup, donc peut-être ça suivra sur le 2016. Le problème 2016 c'est pas Farming Simulator, c'est je sais plus, c'est, oh j'ai oublié, donc Farming Simulator 2017, du coup s'ils en sortent en 2017 ça sera sur le 2017. Et puis voilà, ce serait plutôt cool de faire ça, surtout avec quelqu'un qui s'y connaît. Attendez, c'est quoi? Surtout avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal et puis qui aime bien aussi l'agriculture, ça serait hyper intéressant. Et puis peut-être au fur et à mesure on pourrait rajouter des abonnés, hein, genre des abonnés qui pourraient travailler à l'ETA ou des abonnés qui pourraient même travailler avec nous, comme embaucher ou donc voilà, ça serait énorme. Enfin voilà, comme ça on pourrait vraiment fabriquer comme une vraie ferme. Donc l'ETA par exemple, l'ETA pour l'ensilage, pour le maïs, pour le maïs grain, pour le maïs, pour le blé, enfin pour tous les céréales. Et puis nous deux qui travaillent dans une ferme. Donc je sais pas encore sur quelle map ça sera. Peut-être sur une map pas très connu, ou alors sur une map vraiment connue comme Belgique profonde. On ferait pas sur la map d'origine parce que le problème avec la map d'origine c'est que je la trouve pas super, alors que Belgique profonde, donc voilà, elle est parfaite, enfin il y a rien à dire dessus. Et je connais des maps un peu. Donc je me rappelle, il y avait eu Bretagne profonde sur le 2013, mais là, je sais pas si elle existe sur le 2015. Bretagne profonde qui est une map assez bien faite, le mec il a assez géré pour la faire. Et puis Belgique profonde aussi, hein. Je dis pas qu'il a pas géré, parce que vu combien de fois elle a été téléchargée sa map, est-ce qu'on arrive à un PH, je sais pas. Non, même pas.
On a toujours pas fait de péage, tiens, c'est drôle. Des fois sur des routes j'ai plein de péages et là rien. Donc voilà, et ouais, et donc il y en a une, c'est quoi, Vosges Simulator. Oh non, les Vosges tout simplement. La ferme limousine aussi. Enfin, ça c'est sur une map limousine, mais mettez la ferme limousine, elle est super. Et aussi je vous conseille d'aller voir Benji Farmer, donc lui il fait vraiment des vidéos. C'est tellement réaliste ces vidéos. Donc voilà, il fait des très bonnes vidéos sur surtout sur la ferme belge. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir. Et nous, on ferait un peu des vidéos dans ce style, mais on tricherait pas trop parce que ça se fait pas trop. Mais on ferait un peu des vidéos dans ce style, mais on trouverait d'autres trucs à faire, d'autres trucs mieux ou moins bien. Hein. Mais voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur Farming Simulator 2015. Alors là, j'ai vu qu'on arrivait bientôt, donc ça va, ça aura pas duré très très longtemps. Donc là, on voit sur le GPS le petit rond là où on doit arriver. Alors ça peut être dans longtemps ou ça peut être maintenant. Du coup là je presse un peu avec le camion. On est quoi depuis tout à l'heure? On est à 90 km/h. Enfin je pense. Ouais on arrive à Köln. Ah non c'est Lille. Ah c'est à Lille qu'on a. Attendez. Excusez-moi. Chut. Je m'arrête un peu en plein milieu de la route. C'est pas très réaliste. Tac. Alors. Je vais juste regarder si je vous fais une coupure musique ou pas. Ah bah non, on arrive dans longtemps. Ouais, il nous reste encore. Bah de Lille à Liège, je vais vous faire une petite coupure musique. Enfin, je vais vous mettre de la musique et peut-être je vais faire un petit accéléré, je sais pas encore. Par contre, je vais juste essayer de regagner la route. On va laisser passer. S'il vous plaît. Ok, c'est bon. Donc voilà, je vais vous laisser pour la petite coupure musique et on se retrouve où déjà c'est j'ai oublié. À Liège, voilà. Donc on se retrouve à Liège. Et il nous restera plus que de Liège jusqu'à Köln. Donc c'est parti, à tout de suite. Enfin à tout.
donc re tout le monde, donc j'espère que ça s'est bien passé. Donc je pense que je ferai un petit accéléré parce que, enfin, j'ai fait un petit accéléré. Et sur toutes les vidéos, je ferai un petit accéléré parce que ça dure un peu trop de temps. Donc là, on a dépassé Liège. Et on va se rendre à Köln. Donc je sais vraiment pas si là on est en Belgique. Et Köln, je sais pas si c'est en Belgique ou dans les Pays-Bas. Pour moi, ça va être dans les Pays-Bas, mais je suis pas très sûr. Donc de toute façon, là on se rapproche. Ah, ouais, on a l'air de se rapprocher vraiment. Ok, je vais juste regarder un truc si j'ai besoin de dormir. Je sais pas, attendez. Non, j'ai pas besoin de dormir, ça ira, je pense. Bon, allez. Donc, ah bah, voilà, c'est... On est où? Silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way. Je suis allée à Calais, puis après à Lille, et puis après à Liège, et puis après à Köln. Donc voilà, ça fait un beau petit voyage. Donc voilà, avec mon beau Volvo Globetrotters noir. Donc soit je choisissais la bleue, soit je choisissais la noire. Et puis j'ai décidé de choisir la noire. Tac, alors. On a une belle usine. Köln découverte. Donc voilà, c'est la première fois que je viens à Köln. Je sais même pas si ça se prononce Köln. Si c'est si bien, ça se prononce Kel. Ou un truc comme ça. Allez, c'est feu vert, avance là. Plus ça lag. Ah non, c'est bon. De toute façon, on arrive, il doit rester, allez, 1 km, même pas. Je viens de découvrir une agence de recrutement. Oh non, feu rouge là. Mais c'est là-bas, mais putain. Allez. Putain, ça prend toujours une heure là. Oui, feu orange, c'est bien. Allez. Bon, lui, je vais le doubler parce qu'il me saoule. Voilà. Ouais, mais il m'a rattrapé.
Ok, je sais pas si je vais essayer de me garer. Je suis tellement nulle. Bon, juste pour le premier épisode, je vais essayer. Je sais que je vais me louper. Oh, ils ont failli se rentrer dedans. Allez, avance. Ok, c'est par ici. Et puis ensuite, c'est... Ouais, c'est ici. Puis là-bas, c'est interdit. Par contre... Voilà. Attends, laisse-moi essayer de me carrer quand même. Déjà vu comment je suis positionné. C'est pas mal. Bon, je vais appuyer sur entrée. Ok, là je pense, je vais pas tenter. Je vais appuyer sur entrée. Je tenterai une autre fois, je vais m'entraîner à faire le créneau. Hop là, combien on a gagné? Excellent. C'est nickel. 16 000 euros, donc c'est super. Est-ce qu'on va passer niveau 38? Ben non. Donc on est toujours niveau 37, c'est cool. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, je la base quand la vidéo? Je sais pas. Je verrai un peu plus tard. Donc là, je fais du montage. Je mets la vidéo. Et puis, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, des bonnes vacances si jamais on se revoit pas. Il y a des chances qu'on se revoie. Et puis, salut! Allez, ciao tout le monde!